POV, tu rencontres une meuf de Tynodor pour la première fois. Wesh, c'est quoi ça? Ça peut pas être elle. Wouah, quelle arnaque. T'es ma sa gueule. Sinon ça va, je te plais, je ressemble aux photos? À mon trou de balle, ouais. Ouais, ça va. Hein. Quel mytho. Bah je t'avoue que moi t'es pas trop mon style, hein. Oh my god. Mais bon, on va apprendre à se connaître et après on verra si je vais te têche ou pas. Mais qui veut de toi? Ça fera un total de 110 euros. Monsieur, vous réglez toute on la partage. Dish. Alors, madame, ça fera un total de 55 euros. Et pour vous, monsieur, ça fera un total également de 55 euros. J'ai passé une soirée géniale avec toi. J'espère qu'on va se revoir, hein. Ouais, t'inquiète. Ouais, wesh, il se passe quoi, là? Ça pue. Il faut aérer un peu, là. Ouais, ça pue les chaussettes. C'est pas possible. Oh. Ouais, mais c'est ta chambre ou... Lâche-moi, là. Wayne, tu dors? Elle voit très bien que je suis en train de dormir. Wayne, tu dors? Non, je dors pas, je suis en train de jouer au billard. Bien sûr que je dors, laisse-moi dormir, là. Wayne, tu dors? À quoi elle joue, là? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Wayne, tu dors? Mais pourquoi tu forces? Wayne, ouais. Tu dors? Wesh, pourquoi tu forces là? Je dors! Ah bon? Ça se voit pas que je dors! Bah non, pas du tout! Oh, je suis obligé de me réveiller là! Ah, tu dormais! Oh. Action vérité? Vérité. Vérité? Tu me trouves comment physiquement? T'es trop moche. Et toi, tu crois que t'es belle? Mais c'est pas le sujet, là. Pourquoi tu dis ça? Dégage de chez moi, là. Dégage, dégage. Ouais. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Wesh, mais qu'est-ce qui se passe ici? Elle est devenue folle, ou? Tu fais quoi, là? Elle a massacré le doudou, là! J'apprends des nouvelles techniques. Comment ça? Comme ça, quand tu vas faire des bêtises, ouais, je vais te corriger. Oh, mais quelle daronne fait ça? Eh, vas-y, je remonte dans ma chambre, c'est mieux. Allô? Oui, bonjour, madame. Je suis le directeur de l'école Saint-Bernard. C'était juste pour vous informer que ça fait un moment que votre fils n'est pas venu à l'école. Il serait temps de trouver des solutions, comme par exemple le corriger. Vous voyez ce que je veux dire? Attends, je peux tout expliquer. Et ta boule! Ta boule! Wayne, c'est terminé pour toi! Elle va te massacrer! Wesh, mais elle fait quoi avec son cahier, là? Me dis pas qu'elle va utiliser les techniques... Tu m'as jamais montré des photos de toi, petite. Je suis sûr que t'étais grave mignonne. Alors là, pas du tout. J'étais vraiment, mais horrible. Allez, vas-y, monte, là. Mais tu me promets que tu te moques pas. Mais non, je vais pas me moquer. Vas-y, montre. Vas-y, tiens. Pourquoi tu montes des photos de ton petit frère? Quel petit frère? C'est moi sur la photo. Hein? Bah, j'étais un petit garçon avant. Je te l'avais pas dit? Bah, non. Avant de me mettre avec toi, je m'appelais... Roberto. Yeah. Wesh, t'es un gadjo. Ouais. Wesh. Mais je suis aussi Sandra. Tu m'as menti depuis tout ce temps là. Mais non bébé, c'était pour le bien de notre couple, tu comprends? Viens, stop. Mais bébé, tu vas pas taper une fille quand même. T'es Roberto, non? Viens, stop. Mais bébé, tu sais très bien que je vais gagner. Wesh, Roberto, c'est bon. Roberto, c'est bon. Dis-moi que tu m'aimes. Je t'aime. Pour la vie? Oui, toute la vie! Je t'aime, Roberto! T'as besoin d'aide? Non, c'est bon, mon fils, t'inquiète pas, c'est bon! Non, mais si tu veux, je peux passer le balai! Hein. Mais oui, c'est bon, j'ai bientôt fini! Ok! Putain de merde! Y a personne qui m'aide dans cette maison. Les gens ici, ils ont cru que j'étais l'esclave ou la boniche. Mon fils de merde, là. À part pomper.
la maison avec ses narines dilatées, il sait rien faire! Dieu m'a donné des enfants pour souffrir comme ça! Je ne veux plus voir personne dans cette maison! Ouais, mais tout à l'heure, je t'ai demandé si t'avais besoin d'aide! Eh, dégage! Eh, hey, Dieu, je vais mourir ici! Je suis la boniche de la maison! Je cuisine le chikwang! Je fais le ménage, je lave les slips! Entrez! Bonjour, docteur, j'ai trop mal à la tête! Bonjour, installez-vous! Merci! Vous avez mal à la tête depuis combien de temps, monsieur? J'ai mal à la tête depuis 2 jours. 2 jours? Enlevez votre pantalon. Wesh! Comment ça? Bah, enlevez votre pantalon. Oh! Mais pourquoi enlever mon pantalon alors que j'ai mal à la tête? Mais c'est qui le docteur? C'est moi ou c'est vous? Enlève ton pantalon! Enlevez votre pantalon. Waouh! Wesh! Il fait quoi, lui? Wesh! Dilatation! Anus! Wesh! Vous faites quoi, là? Wesh, qu'est-ce qu'il fait? Waouh! Écartez bien, monsieur. Vous avez toujours mal à la tête, monsieur? J'ai mal au cul maintenant. Oh! Ouais, mais la tête va mieux. Quelle question! Bisous, à demain. Elle va où? Elle va dormir chez son meilleur ami, gros. Comment ça, son meilleur ami? Son meilleur ami, elle est la meilleure amie depuis 10 ans, elle dort là-bas quasiment tous les 2 jours. Comment ça, il dort chez lui? Y a rien, ce sont des meilleurs amis. T'es bizarre, toi. C'est toi, t'es bizarre, gros, mais toi, ta meuf, elle fait pas ça ou quoi? Mais t'es fou, quoi, jamais. Jamais de la vie. Frère, mais on est en 2023, il faut faire confiance aux meufs. À ton avis, ils font quoi? Ils jouent aux cartes, ils font des trucs de meilleurs amis, quoi. Bah, tu sais quoi, appelle-la tout de suite, on va voir ce qu'ils font. Appelle. Bah, vas-y, frère, moi, j'ai confiance en elle. On FaceTime. Coucou bébé. Oui. Incroyable, pas de bébé mon pote, on s'occupe bien d'elle ici mon pote. Qu'est-ce que tu racontes? Waouh, wow, mon gars Speeder, t'es un bon hein. Tu me prends comme ça pour me déposer chez WAM, t'es un bon de ouf. Vas-y, c'est la prochaine à droite mon gars. Wesh. C'est Speeder. Frérot, c'était là mon gars. C'est quoi le truc qui commence à durcir là? Speeder! Tu m'amènes où? Speeder! Hey, mais t'as couché avec combien de mecs avant moi? Panique pas, wesh. Je suis pas comme tes ex toxiques. Moi, tu peux tout me dire, ça va rien changer entre nous. Ah, ça me rassure. Du coup, j'ai couché avec 600 mecs. 600 quoi? Je sais que ça peut faire beaucoup, mais en vrai, ça va vite, hein. Quel culot! Déjà, tous les cousins du côté de ma mère. Ah, c'est trop! Tous les cousins du côté de mon père. Ah, c'est trop! Ensuite, je me suis tapé une équipe de rugby, une équipe de foot, une équipe de javelot, une équipe de rugbyman, une équipe de ping-pong, une équipe de volleyball. Une équipe de natation. Bon, Speeder, je vois que t'es pas décidé à me ramener chez moi, donc on va discuter, hein. C'est comment avec l'autre, là? Comment elle s'appelle? Mary Jane. T'as réussi à la serrer ou quoi, mon gars? En tout cas, avant de la serrer, essaie de mettre du déo, parce que là, mon gars, ça va pas. Et enlève ton collant, là! Et ton slip par-dessus. Ah, oh, frère!